Il y a tellement de choses qui sont dites à tort et à travers. En 2009, la Cour constitutionnelle n'avait jamais été saisie du contentieux de la candidature. Vous savez que lorsque la liste des candidatures est rendue publique par la Commission électorale nationale autonome et permanente, ceux qui veulent contester les candidatures saisissent la Cour dans les 72 heures qui suivent la publication de la liste des candidatures. Voilà ce que la loi gabonaise prévoit. En 2009, c'est dans le cadre maintenant, parce que n'ayant même pas été saisi des candidatures en 2009, c'est pendant le contentieux des résultats que l'un des candidats malheureux va poser le problème de la nationalité d'un candidat élu et dont l'élection était donc contestée. Et dans ce cadre-là, l'article 72 de la Constitution, de la loi organique sur la Cour est clair. L'article 72 prévoit que lorsque vous saisissez la Cour, non seulement vous devez dans votre requête développer les moyens de droit, mais vous devez également joindre les pièces au soutien de ces moyens de droit. Mais vous ne pouvez pas venir devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats d'une élection et poser des problèmes concernant des problèmes mais qui vous ne joignez à votre requête aucun élément, ni élément de droit, ni pièce justificative de vos allégations. Devant chaque juridiction, des procédures spéciales sont prévues. On ne confond pas ce qui se passe devant le juge civil à ce qui se passe devant le juge pénal ou le juge administratif, encore moins ce qui se passe devant la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi je m'en veux vous dire qu'en 2009, les candidats n'ont jamais contesté, dans les 72 heures qui suivaient la publication de la liste des candidatures, telle ou telle candidature. Quand on rentre maintenant dans le contentieux électoral, il y a une procédure qui est prévue. Vous devez joindre à votre requête. Vous devez non seulement développer dans votre requête les moyens de droit, mais vous devez également joindre les pièces au soutien des moyens de droit que vous aurez développés dans votre requête.